Ouh là là. Où ça tourne. J'ai eu un mal à le sortir celui-là, il était coincé au fond de la pompe là, le temps qu'il remonte. Il n'y a pourtant pas long à quoi à parcourir. Ça va les filles? Très bien. Et ça tourne, hein? Pouh, ça tourne dans tous les sens. Hein. Ah, attends, ton micro, il va pas bien. Attention à tes adducteurs. Quoi, mes adducteurs? Ah, hier, j'ai fait un grand écart facial. Oh là là! Bonsoir. Il y a le Bigathlon, vous êtes très 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 nombreux à nous laisser des messages sur le Minitel. Laissez-nous encore des messages, laissez-nous le temps de les éplucher, laissez-nous le temps de vous rappeler. Il y a 8 défis que vous pouvez travailler chez vous et ce soir, nous revoyons... super, hein. On va regarder le basket. Ah oui, bah, y a Alex, c'est pour ça qu'on voyait pas. Donc voilà, vous prenez un ballon de basket, vous vous mettez à la distance réglementaire dont j'ai oublié 6 mètres et quelques. Et vous faites des lancers francs pendant une minute. Si vous mettez plus de ballons que je n'en ai mis, c'est à... Oh tiens, regarde, le premier, là. J'ai fait 5 lancers francs en une minute. Si vous pouvez faire mieux, ce qui doit, à mon avis, ne va pas être très difficile non plus, c'est 10 000 francs. Et si vous échouez, c'est 10 000 francs dans la cagnotte. Angela... Salut, Bill. Bonjour Vincent, je me suis mis au piqué parce que tu me disais pas bonjour. Je me suis dit j'ai fait une bêtise encore, alors je m'étais mis tout de suite au piqué. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise, Bill? Non, j'ai pas fait de bêtise, mais par contre, il y a un copain à l'école, il m'a appris une blague et rigolote. Est-ce que je peux te la faire? Elle est très très trop petite. Ouais, vas-y. Alors, tu dois pas dire roi, tu dois pas dire 15 et tu dois pas dire non. D'accord. D'accord, bon, alors, qui est Louis XIV? Un monarque. Oh, ouais, d'accord, bon. Combien font 12 plus 3? 16 moins 1. Oh, tu la connais? Oui. Oh zut, il m'a eu, il m'a eu, oh, il m'a eu. Oh. Il doit dire non, et là, ça marche. Ouais, Clarisse, déjà, me l'a rencontré la semaine dernière. Il y a 5 dignes, il y a un coup de téléphone, il y a un assistant cadreur qui est en train d'essayer de prendre un câble dans les mains. Nous allons suivre sa péripétie. Je vais demander à une caméra de venir se mettre dans le dos de notre cadreur. Peut-être va-t-il enfin pouvoir décider le pied de la caméra à bouger. Il va déplacer sa caméra pour accueillir le premier candidat. Mesdames et messieurs, voici Mélanie et Loïc. Et l'assistant déplace le câble. Loïc et Mélanie. Bonsoir Loïc. Bonsoir, bonsoir Mélanie. Salut Bill. Soyez les bonsoir bienvenus. Bonsoir Loïc. Bonsoir le public. Bonsoir Mélanie. Frères et sœurs, fiancés, mariés. Fiancés. Vous aimez la musique? Oui. Vous avez peut-être des... Oui encore, vous avez connu l'époque du vinyle? Oui, mes parents aussi. Surtout. Putain, je suis vieux. Putain, mais c'est avec des réponses comme ça que tu t'aperçois que pan, t'as passé la barrière. Voilà. Oui, oh ben rigolez pas, j'en connais ici qui ont connu le gramophone, moi. Hein? vous allez passer de la musique ou vous allez tenter de passer de la musique... Sur des vinyles. Sur du vinyle, hein, le vieux vinyle qui cassait. Le CD aussi, ça casse. Bill, pendant combien de temps vont-ils pouvoir essayer d'écouter de la musique? Moi je propose 2 minutes. Pendant 2 minutes. Et chaque fois que le disque sera correctement passé... Bill oui. vous offrira 57 francs hors taxe. Il y a oui, de parce très que ça fait un compte. Ça fait un compte tout rond, tout va bien. 3000 francs. 3000 francs le disque. Il y a 3 disques. On joue pour 9000 francs. Alors, à vous de reconstituer le disque, sachant que les chiffres et les lettres forment un code. Un code secret. D'accord? Ok, d'accord. Je vous propose de venir ici. On est prêt. 2 minutes. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors. On va faire ABC. Non, AC. Voilà. Voilà, on en met un bout. Voilà, et on prend lequel autre maintenant? Oh, comment ils soulèvent ça? AC. Ils sont très forts. ABC, ça tourne dans quel sens? Non, peu importe. Si, ça tourne dans ce sens-là. Hein, si, ACE. ACE, voilà. D'accord. Attention. Je mets le disque. Hein? Top chrono.
Et c'est gagné, bien joué. Ils ont trouvé la première martingale. Ils brontinent les deux autres. Ben ça, c'est pas sûr. Allez, on va laisser celui-là dessus. On va laisser le dessus. On va faire comme si c'était un distributeur. Attention, top chrono, c'est reparti pour un deuxième disque. Alors, on va jouer avec les chiffres maintenant. Et on fait 2... 4-6. On fait 2-4-6. On joue pour 2-4-6. 4-4-4-4. Vas-y, laisse-le, laisse-le, vite, 4. Ah, mais attention, ça va faire dérailler le disque. Hein. Le 4. Oui, Bill. Il a fait la poule, il a fait 4-4-4-4. Et il a fait. Et à la fin, il a même fait une photo. Il a fait 4-4-4-4 Kodak. C'est bon. Top chrono. Oula. Nous sommes à 2000 francs déjà et il reste 1 minute et 1 seconde. Ils sont aperçus de rien. Alors, restez là, bougez pas. T'as vu comment je t'arrange le cou là? Oui, mais c'est la mienne. Ah oui, pardon, oui, c'est ça. Battez-vous. Je me disais, il y a un truc qui merde là, il y a un truc qui va pas, j'arrivais pas à... Alors, vous êtes à la tête d'un capital de 6000 francs et il reste en capital temps, Bill. Il reste 1 minute et 1 seconde. 1 minute. Dans la première minute, vous en avez fait 2. Il reste 1 minute pour faire le dernier. Est-ce que vous tentez les 9000 et les rejouez-vous à la fin au dernier rideau? Ou alors est-ce que vous arrêtez tout de suite et vous prenez le rideau? Là, cela dit, c'est assez facile, hein, le dernier. On continue. On continue, on va jusqu'au bout. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. C'est fort bien joué, Mélanie et Loïc. Oui, oui, vous continuez, continuez et perdez les 2 scooters. 2 scooters, oui, 2 scooters. 2 scooters magnifiques, ils étaient pour vous. Et je trouve qu'ils vous allaient bien en plus. Ça met les boules de perdre 21 790 francs. Ça met les boules, hein. Top chrono, c'est reparti. Allez, il reste le 3, le 7 et le 9. 3, 7, 9, 3, 6, oui, si, oui, si. Ah, moi qui ai eu... La barre, ça se met en bas, hein, normalement, hein. Donc là, c'est 3, 7, 9, ouais, parce que 2, 4, 6, ça le fait aussi bien. Voilà. Oui, je... On passe un petit coup de chiffon avant dessus. Allez. Oyon, oyon. Et c'est un sans faute pour l'ami Vincent, pour Mélanie et Loïc, bien sûr. Ils ont reconstitué Brasilia, carnaval. C'est gagné, le grand chelem, 9000 francs. Ça commence très fort. Et peut-être vous aurez reconnu la voix de Rosa sur le dernier titre qu'on a entendu, Brasilia. Qu'est-ce qu'on fait, les amoureux? On regarde. Ouais, on regarde. 9000 francs. On regarde. Comme ça, on le sent bien. Ouais. A déjà raté les 2 scooters. Ouais. D'une valeur de combien, les scooters? Ah ben, je vais le répéter avec plaisir. 21 790 francs. Voilà, c'est ça, c'est le mot cher. Les boules. Regardez ce qu'il y avait pour ce deuxième rideau. 2 fois les boules, car vous avez perdu. Des cahiers, des petits crayons, des kilos de papeterie pour faire des petits dessins. Merci par l'escalier, les amoureux. Merci de votre visite. Salut à vous, on se retrouve tout à l'heure. Allez, je vous propose d'enchaîner avec le top 3 et c'est Pamela qui s'y colle. Pamela. Bill, regarde. Oh. Bonjour Vincent. Bonjour Pamela. Ça va bien? Oui. Bonjour Pamela, Bill, Pamela. Bonjour public. Bonjour Pamela. Vous êtes originaire de Pondichéry? Non, de l'île Maurice. Ah, vous êtes mauricienne? Oui. Une vraie mauricienne. Et vous êtes toute l'année habillée comme ça ou vous... Non, vous avez... non, c'est pour des cérémonies, pour les mariages. C'est un très beau costume. Merci. Vous êtes mariée? Un casse-croûte. Il est là? Oui. Ah. Avec ma petite fille, Vélina. Ah, c'est le commissaire Moulin. Quelle belle ma mère. Comment s'appelle-t-elle? Vélina. Vélina? Oui. C'est joli. Vélina. Elle mourait d'envie de vous faire un bisou. Ouais, ça y est. C'est comme si c'était fait. Viens là, ma mère. Oh, je dis une pépette. Moi. Ouais, moi.
Vous avez envie de nous chanter quelque chose? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous... En plus, vous avez l'accent créole et tout, j'adore ça. Fais ça pour moi, chante une chanson. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Te parler pas comme moi, mais l'amour. Ça même papa, mais pas pourquoi toi. De te romanter et de trop courir. Ça même papa, mais pas pourquoi toi. De te romanter et de trop courir. Ouais. Yeah. Bravo, Pamela. Merci. Allez, voici Ramucho. Elle est poisson. Bonjour tout le monde, les gens. Hello Ramucho, laissez-moi vous présenter Pamela. Oula, c'est une princesse, hein? Oui, c'est une princesse mauricienne. Oh, bonjour Pamela, c'est joli, des noms, bravo, hein? Il est troublé, là. Salut les filles, regardez bonjour. Comme elle est jolie. Hein? Prenez de la graine là. Hein? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un message. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est, non, c'est. Il y a un message? C'est, non? Non, Rosa, Liane. Rosa, le provoque pas. Salut Bill, tu vas bien? Oh, oui, je t'ai écrit un poème, Ramucho. C'est très court, Vincent, je te promets, mais c'est très joli. Allez. Ramucho, tes jeux de mots, j'en raffole. Tu n'es pas un rapace, ni une rascasse. Non, je suis ravi de t'avoir comme ami, car tu es rareux. Oh là là, voilà. Ouais, merci, cours. Bill. Ça me fait plaisir. Vous connaissez le principe? Oui. Vous regardez le Big Deal de temps en temps? Tous les jours. Ah, la bonne heure. À la bonne heure. Sans faute. Alors, il faut écouter la musique. J'écoute la musique. Tu sors du pipeau. Ouais. Non, c'est pas un pipeau, c'est un... C'est une bombarde. Une bombarde. C'est le genre de truc, tu souffles une fois dedans et tu reprends plus ta respiration. Voilà. Oh, vous allez voir la gueule que ça lui fait. Il va jouer pendant 15 secondes. Il faut impérativement me donner mot à mot le titre français, s'il est français. Si c'est un titre étranger, on se contente du titre ou du nom de l'interprète. D'accord? D'accord. Allez. Mais elle n'a pas trouvé, elle a essayé de déchiffrer ce que son ami, le mari, lui soufflait, mais c'est raté. Et pourtant, Moulinos, il assurait, là. Hein. Ah oui, le commissaire Moulin, il a été plus que clair. Ah là, Moulinos, il assurait, là, sur ce coup-là. Il a essayé de vous dire... Ma gueule, le métèque. Non, c'est le métèque. Et il vous soufflait le métèque. Moi, j'ai rajouté ma gueule, avec ma gueule de métèque. C'était le métèque de... Le métèque, oui, le titre exact, oui, le métèque. Georges. Bon, on a perdu le premier, c'est pas grave, c'est la mise en condition, c'est l'échauffement. Allez. Avec ma gueule de métèque, de juif fervent de Pâques-Grec, et mes cheveux. Ouais, ça va. On en élimine un, Rosa Clarisse, Jimmy Lynn. Lynn, Jimmy, Clarisse, Rosa. Rosa, Jimmy, Lynn, Clarisse. Clarisse, Lynn, Rosa, Jimmy. Clarisse. Allez. Ça vient d'où? Mais c'est mauricien. Mais c'est très joli. Ah, et la parure de Bill Dance, et pardon, c'est la boîte à clé. Oh là, qu'est-ce que je dis, moi? C'est la boîte à clé que vous venez de perdre. The key box. Je propose qu'on en fasse un autre tout de suite, Pamela. Ça va se faire tout seul. Mais cherchez pas forcément à puiser dans votre mémoire. C'est plus facile que de lire sur les lèvres. Café. On dit café, j'aime bien. Oui, c'est pas que café, c'est... Couleur café. Eh bien, on revient de très, très loin, mais c'est accepté. Bien sûr, c'est noté. Merci, Bill. Mais de rien, Pamela. Quelle belle ma ta couleur café. Merci, les filles. Allez. Il reste Rosa, il reste Jimmy, il reste Lynn. De te voir rouler. Ah, le public tend pour Rosa. Si des yeux de hanche, si tu fais comme le forfait. Rosa. Rosa, chérie. Chérie Rosa. Oui, chérie, j'arrive. Ah, bien la parure, ben la voilà. Voilà la parure de 10 jours. J'avais confondu les boîtes.
C'est une magnifique parure de bijoux, je suis sûr que vous allez l'aimer, car elle est rare, elle est précieuse, et elle brille de mille feux et de mille éclats, et elle vaut 3665 francs. On a sauvé les morts. Merci. Ça, c'est des beaux bijoux. 3600 francs de bijoux, c'est bien. Ça peut servir de lot de consolation au pire aller. Au pire. Un petit dernier, mon pépère. Est-ce par hasard? Est-ce par hasard? Oui, c'est est-ce par ça. Hasard? Est-ce par hasard si vous avez trouvé le bon titre? Certainement pas! Bien joué, Pamela, bien joué! Si j'ai suivi l'étoile qui m'a conduit. L'ami Dev! Lynn ou Jimmy? Lynn! Lynn, couleur café! Couleur café! Ah bah tiens! Eh bien, c'est fantastique, c'est un carton et vous m'avez ruiné. Vous avez gagné un lecteur de DVD qui est extraordinaire car il a particularité de tenir aussi bien assis que debout. C'est fantastique, avec plein de DVD, 6526 francs. Et donc, il y en a en tout, Pamela. J'ai un peu les boules de vous le dire, même si je vous aime bien, ça n'a rien à voir. Et vous venez de me prendre 10 180 francs de cadeau. Et moi, ça... Merci, Lille. C'est de rien, de rien. Quoi? Jackie, je garde ou je... Garde. Elle dit garde, hein. Elle vous dit de garder. Mais vous, de toute façon, vous reviendrez au Big Deal. Donc même si c'est pire, vous pourrez rejouer. Cela dit, si vous voulez être raisonnable, vous gardez ce que vous avez. Je suis raisonnable, je garde. Vous gardez ce que vous avez? Si vous voulez, on peut... prendre le rideau. Ah, vous changez d'avis, vous prenez le rideau, finalement? Ouais. Bon, ouais. D'accord? Ouais. Je crois que le public est d'accord avec ça, hein? Ouais. Bon. Allez, on s'arrête là, on prend le rideau? Oui. On prend le rideau? Oui. Rideau. Vincent, tu me l'as demandé, alors je l'ai fait. Vous partez à la Réunion. Vous partez à la Réunion. 120 francs, vous partez à la Réunion. Mais pour aller à Maurice, ce ne sera pas très très on n'avait rien disponible pour Maurice, alors vous allez à la Réunion. Puis là, de là après, c'est pas loin. Hein? Oh, maman va aller à la Réunion! Fais un petit coucou chez maman Maurice. Eh, ben non, c'est moi qui vous remercie d'avoir une femme aussi charmante. Oh, merci. Elle est contente, merci. Maman. Ça fait plaisir. Ah non, je la garde encore un petit peu, maman. Je te la rends tout à l'heure, hein. Ah non, non, c'était la rentrée des... Oui, mais elle part pas tout de suite à la Réunion. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Puis c'est avec papa qu'elle part, hein. Enfin, je crois. Hein? Oui, contente. Hein? Allez, Pamela, passez par l'escalier et on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Allez, allez boire un coup derrière l'escalier. À tout de suite. Oh, c'est beau, l'émotion. Salut, mon bon Ramucho. Vous jouâtes fort bien ce soir. Merci. T'as sur la tête. Oui. Le deal suivant, un nouveau jeu. Il est question de mettre la bonne personne à la bonne place et ça se passe à table. Avant de faire rentrer le candidat, je vais vous demander d'accueillir la salle à manger du Big Deal. Oh, ben c'est rustique, hein. Ça, c'est de la salle à manger conviviale. Ah non, et bonna. Nous avons également quelques invités pour ce souper. Je vais demander à nos invités de bien vouloir venir s'installer. Oh. Installez-vous où vous voulez, hein. Salut, merci, bonsoir. Salut toi. Bon, bonsoir. Installez-vous où vous voulez, les filles. De toute façon, l'invité principal n'est pas encore arrivé, alors... C'est ça, Bill? C'est Rémi, hein, le... Je sais pas, je suis pas invité. Bon, eh ben pour remplacer Bill, voici Rémi. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Rémi, Bill, Rémi. Bonsoir, Bill. Bonsoir, bonsoir, Rémi. Rémi, les filles. Ah, super. Je vous en prie, venez, on va s'asseoir, on va tout de suite se mettre à table. Mettez-vous ici, moi, je vais me mettre là. Alors, Rémi. Oui. Vous aimez recevoir? Très souvent, oui. C'est vrai? J'aime bien recevoir. D'accord. Vous placez les gens à table? Non, en général, ils se placent comme ils veulent. Ouais, parce qu'ils sont suffisamment copains pour... Voilà, tout d'accord. À fait. Voilà, le problème de ce soir, c'est qu'aucun de nous six ne nous entendons. Ah, d'accord, oui. Donc, il y a vraiment des gens à éviter de mettre côte à côte ou face à face. Alors,
Pour savoir quel est le bon ordre de cette table, chacun d'entre nous va vous lire une phrase qui est un code qui va vous permettre de resituer chaque personne à la bonne place. Du style, moi, Vincent Lagaffe, de toute façon, je ne suis pas à côté de l'invité. Voilà, c'est ce genre de phrase qu'on va avoir, ok ? Moi, je suis le maître de maison. Vous êtes le maître de maison et il va falloir replacer les gens selon les dires, d'accord ? D'accord. Bill, combien par personne bien replacée ? Eh bien, écoutez, cher monsieur, ce sera 1500 francs. 1500 francs, on est 6, 9000 francs, ok ? Je vous propose d'écouter ce que Jimmy a à nous dire. Alors, il doit y avoir quelqu'un entre Clarisse et moi. Il doit y avoir forcément quelqu'un entre Clarisse et Jimmy. Ok, ensuite, Clarisse. Je préside la table. Alors, vous voulez la placer déjà ? Oui. Donc, elle prend la place de Jimmy. Ok, ouais. Jimmy, pour l'instant, t'es debout, ma fille. Hein. Lynn. Je veux être à côté de Rosa. D'accord. Rosa. Je suis pas en face de Clarisse. Oui. Donc, Rosa là-bas. D'accord. Sur un autre ton, hein. S'il vous plaît. À vous, à vous. À moi ? Attendez. J'ai Clarisse et Jemina comme voisine. Qui c'est Jemina ? Jemina, c'est Ah, c'est Jenny, je crois que c'était Jenny. Alors. 45 secondes. Attendez, 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 non, sinon on s'entend pas, il perd du temps, là. Non, non, il faut être. Je préside face à Clarisse. Ici ? D'accord. Ok. Et on arrête le chronomètre. Voilà. 39 secondes. On arrête le chrono, Jimmy prend ma place. Ok. Alors, en 45 secondes, on a déjà réussi à avoir la place de chacun en théorie. Si on reprend 45 secondes, on relie chacun une fois ou deux selon vos désirs. Oh, je continue. On continue ? Ouais. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Eh bien, je vais vous proposer une mise en pli extraordinaire avec cette table, une mise en place extraordinaire avec cette table de camping et des chaises pliantes d'une valeur de 1215. Bon, je suis farceur. Hein. Je vais pas commencer parce qu'on sait que je préside la table, donc c'est pas la peine de perdre du temps avec moi. Je propose qu'on recommence avec Jimmy. Écoutez bien. Alors, il doit y avoir quelqu'un entre Clarisse et moi. Allez, Rosa. Je ne suis pas en face de Clarisse. Rosa, je ne suis pas en face de Clarisse. Je veux être à côté de Rosa. Je veux être à côté de Rosa. On va échanger Clarisse et vous, Vincent. D'accord. Je préside face à Clarisse. Tu. Je ne suis pas en face de Clarisse. Ok. Je veux être à côté de Rosa. C'est bon. Vous. J'ai Clarisse et Jimmy là comme voisine. Oui. Voilà. Et Jimmy. Clarisse et moi. Eh ben c'est gagné. Merci. Ouais. C'est bon ça. Top chrono. Oui oui, top chrono. Jimmy, vous avez gagné 9000 francs. Je vous propose de les rejouer tout de suite contre le rideau. Putain, il fait faim maintenant. Hein. Plus elle est froide. Un petit bout de gruyère. Voilà. Je ne peux pas faire le gâteau. Ah, mais le gâteau, il a l'air de tout frais. Hein. Bon, je prends le rideau. Vous rejouez vos 9000 francs et vous remportez ceci. Un petit voyage, mais un voyage de luxe. Car vous partez à Monaco. Monaco. À Monaco. Vous y partez pendant 3 jours et vous y serez apporté en hélicoptère. Oui. Et ce séjour d'un week-end de luxe, de rêve à Monaco, vaut 9280 francs. Bravo, Rémi. Merci, Vincent. Merci, les filles. Hein. Et on a passé une soirée sans ça. Ça. Merci. Ouais, merci. Sympa. Merci. Voilà. Non, Rémi, non, Rémi. Regarde-moi le. Bon. Bon, voilà. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous dire. Bon, ça va, ok, on s'arrangera, ça s'arrangera. Le jeu de mille avec Huguette. Moi, j'y ai pas goûté, hein, la soupe, hein, parce que je veux commander une soupe. Faut sûr qu'ils reviennent au Big Deal, hein. Huguette. Bonsoir. Bonsoir, Huguette. Ça va bien? Bonsoir, public. Huguette, Bill, Huguette, Huguette, bonsoir, public. Bill. Huguette, Bill, bonsoir, public. Huguette. Bonsoir, Huguette, c'est un honneur. Bonsoir. Écoute, tu guettes.
Ça va? Très ravi. Oui, ben ça va. Oh là 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 là. Mettez le casque sur vos oreilles. Huguette, vous allez jouer avec Bill. Bill, que faut-il découvrir aujourd'hui? A zone of the human body, c'est-à-dire une zone du corps humain. C'est un peu cosmonaute comme ça. Hein. Pour reprendre la photo. Bill, on cherche une partie du corps, Huguette. Hein, d'accord? Allez, on enchaîne. On écoute, premier indice. Jingo, jingo, bio, bio. Alors, premier indice. Je suis le grand pétale inférieur de certaines fleurs. Je suis le grand pétale inférieur de certaines fleurs. Oui, ça va. Vas-y, dingo, dingo. Le grand pétale inférieur. Le pistil, non. Vous avez dit quoi? Le pistil. Non. Le pistil. Oh, c'est... Oh, le gong a sonné. Et je l'aurais pas accepté. Dingo, dingo, biotron. Chez l'homme, je suis inférieur ou supérieur. Oui, c'est vrai. Ça va? Mais toi, tu es supérieur. Inférieur ou supérieur. Dingo, dingo. Oh là. Pas de panique, Huguette, pas de panique. Tout va très bien. Attention. Dingo, dingo, troisième indice. Alors, lorsqu'on le dit du bout, c'est à contre-cœur. Joli. Du bout des lèvres. Les lèvres. Exactement. Dingo, dingo. Moi, j'avais trouvé à la deuxième. J'avais trouvé à la deuxième, la lèvre inférieure, parce que je suis tellement ouverte, moi, celle-là, que... La lèvre inférieure, la lèvre supérieure. La lèvre est le grand pétale inférieur de certaines fleurs. Lorsqu'on le dit du bout des lèvres, c'est un contre-cœur. Et lorsqu'on me mord, c'est qu'on regrette quelque chose. Se mordre les lèvres. Et ça vous fait 5000 francs. Enlevez votre casque, Huguette. Vous pouvez laisser ce moment-là, ça s'appelle le double chance. Voilà. Alors, vous savez comment ça se passe? Je vais vous dire, ouais, vous avez gagné 8000 francs, tout ça, vous avez la possibilité de rejouer le rideau, tout ça, l'écran, et c'est ce qu'on appelle une double chance. Moi, je tape dans les mains, tac, et alors après, il envoie ce qu'il veut. Il faut improviser. Hein. Mais blonde comme vous êtes, moi, je vois bien le truc venir. Hein. Non. Si. C'est peut-être, vous avez la même coiffure, mais pas la même... Que Pamela Anderson que, oui, aussi, d'ailleurs. Hein, bon, attention. Alors, vous avez gagné 8000 francs, hein, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait de 8000 francs? Vous allez pouvoir les rejouer. Les rejouer? Oui, mais attention. Quoi? Il y a le rideau et l'écran. Non, c'est une double chance. Ouais, double chance. C'est un mélange, Vincent! C'est un mélange! C'est n'importe quoi ce que vous nous avez fait, Huguette, là. Non! Allez, le rideau, l'écran, 9000 francs, 8000 francs. J'ai peur. Ah bah oui, non mais là, c'était pour vous faire réfléchir, tout ça. J'ai peur. Mais gardez vos sous, alors. J'ai peur. Je sais pas, y'a pas de quoi, hein. Y'a pas de quoi, c'est tout bénef. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux, Jou, prends le rideau. Le rideau? Ouais, prends le rideau. L'écran. Ouais, l'écran, ouais. Non, rideau, il a dit rideau. Allez, rideau. Rideau. Eh bien, vous avez gagné le bicycle. C'est une magnifique voiture à 63 500 francs. Et elle est à vous. Et chez les poules. Merci. Bravo. Bravo. Allez, prenez possession de votre voiture, elle est à vous. Ah ben, c'est pour les pièces de rechange. Soyez heureux tous les trois, merci d'avoir été avec nous. Ciao, bye bye, bon retour. Eh ben, c'était 8000 balles ou une bagnole, j'ai essayé d'y faire garder, hein, mais rien à faire. Le coup de téléphone, allô? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir. Aurais-je le bonheur de connaître votre prénom? Nadine. Votre nom de famille, c'est pas Amouk? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Nadine Bouk, non. Oh, j'ai compris. Nadine, chez les Grecs. Chez les Grecs. Chez les Grecs, Nadine. C'est le début de la question, hein? Oui, chez les Grecs, oui. Chez les Grecs. Nadine, pan! Pan! Et pan chez les Grecs! Non, chez les Grecs, sérieux. Chez les Grecs, pan est un dieu. Pan, P-A-N. P-A-N. D'accord? Mmh. Est un dieu. Oui.
de quelle corporation... Je vais me faire mal. De quelle corporation était-il le dieu attitré? De quelle corporation? Ok. Nadine chez les Grecs. Oui, Pan est un dieu. De quelle corporation était-il le dieu attitré? Était-il le dieu attitré? D'accord, Nadine? D'accord. Allez, si vous avez la réponse après la pub, je vous donne 5000 francs. D'accord. Allez, on se retrouve après la pub avec le pont pourri. À tout de suite. Pub! Le Big Deal, ça change tout avec Monsieur Meuble. Ah ben, on va casser ma gueule là. Oui, ça c'est sûr. On va casser ma gueule là, c'est non. Je me suis... Retour sur le plateau du Big Deal. Jolie figure, mon ami. Alors, Nadine. Oui. Chez les Grecs, Pan est un dieu. Je pense que c'est. Dieu... De quelle corporation était-il le dieu attitré? Vous me dites que c'était le dieu des. Des bergers d'Arcadie. Quel bonheur. 5000 francs, c'est gagné. Alors, Nadine, vous avez la possibilité soit de garder 5000 francs, soit de les rejouer contre le rideau. Sachez qu'hier, il y avait une voiture derrière le rideau. Non, non, je garde. Vous gardez vos 5000 francs? Oui, oui. 5000 francs, c'est toujours ça de prix? Bah oui. Surtout que c'est net d'impôts. Voilà. Regardez quand même ce qu'il y avait derrière le rideau. C'est dommage, il fallait jouer le rideau. Il y avait un magnifique ordinateur multimédia avec son CD-ROM, avec un casque, une webcam, avec un programme qui est superbe, avec la souris, avec une prise électrique. Ça valait 18 624 francs. C'est bête, hein, Vincent. Moi, je garde l'ordinateur. Bon. Mon super. Je vous souhaite une bonne soirée à vous et à toute votre famille. À tout bientôt. Merci, Vincent. Au revoir, Nadine. Le pont pourri est un pont pourri et c'est Damien qui va le constater. Damien! J'espère que ce ne sera pas une malédiction, hein, Vincent? Damien! Ça y est! Salut Damien! Bonjour! Damien, Bill, Damien, Damien, le public. Bonsoir, Bill, Damien. Bonsoir, public. Bonjour, Damien! Qu'est-ce qu'il est? À voir votre équipement, ce soir, ouais. Je pense que le pont est particulièrement pourri et vous allez en faire les frais. On a vu aussi, ouais. Ouais. Vous êtes sportif quand même? Ouais, je suis étudiant et à côté, je suis sapeur-pompier volontaire. Ah, félicitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un à prévenir en cas d'accident grave? Non? Non. Les pompiers, peut-être. Ben, vous êtes là. Vous allez grimper là-haut, on va vous attacher, on va vous sécuriser. Le but du jeu est simple. Il faut faire un aller et un retour minimum pour gagner de l'argent. C'est le principe du temple d'Indiana Jones. Il y a en face 5 pierres précieuses. Donc, à la place du diamant, il faut mettre un sac de sable. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre plus de diamants que vous n'amènerez de sac de sable. Le temps est de combien, Bill? 1 minute 30, mon ami Vincent. Allez-y, grimpez. Grimpez. C'est bien, parce que s'il est grand, il monte d'étage en étage, lui, hein, directement. Alors, à mon top, vous prendrez le nombre de sacs de sable que vous voudrez. Sachez que plus vous en avez, plus c'est lourd, plus le pont fragile risque de tomber. Vous allez là-bas, vous prenez le maximum de diamants. Bien évidemment, si vous perdez un diamant en route, il est perdu. Et okay. On comptera le nombre de diamants que vous avez à votre retour. D'accord. 1 minute 30, top chrono, c'est parti. Allez, allez, on se prend 2 sacs. Et ils sont lourds, les sacs. Hein. On en prend 2. Bill, tu es gentil. Où est-ce qu'on peut voir le temps? Le temps, oui, déjà. Il reste 1 minute 20 secondes. Allez, on est parti. Ah, jusque-là, ça tient bien. Ah, elle est tombée! Elle est tombée! Puis les sacs qui se balancent, avec les sacoches qui se balancent sur les côtés, c'est gênant, ça! Puis ça a quoi marcher dessus, là? Allez! Et ouais, puis il faut être debout, parce que sinon, les sacs se coincent là-dedans. Que c'est cette affaire-là? Dieu donc! Mais elle est belle, la fille qui vous attend de l'autre côté. Hein. Et heureusement. Hein. Ouais, ouais, c'est bon, ça tient. Ah, combien de temps? Il reste 45 secondes. Hop, ouais, ouais, stop le chrono. 42 secondes, Vincent. Allez-y, allez-y. Sauvez. C'était pour faire bien que je racontais ça. Hein, À lui, il vit le film. Faites attention parce qu'il y a aussi des cobras royaux qui vont sortir de chaque côté. Hein. Alors, attendez. Si vous revenez avec les 2 diamants, chaque diamant valant... Alors, c'est des pierres précieuses. Oui, chaque pierre précieuse. Alors, c'est 2000 francs. Chaque pierre précieuse vaut 2000 francs. Vous avez donc 4000 francs dans la main. Ou vous revenez par l'autre pont, ou vous laissez tomber, vous prenez le rideau. Non, je reviens.
Oh non, tu reviens. C'est bon, c'est bon. Tournez-vous, regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Eh bien, si vous revenez, ça veut dire que vous ne partez pas en Guadeloupe. Eh oui, vous auriez pu partir en Guadeloupe, c'est dommage, ça met un peu les boules. Vous avez dit adieu au soleil, à la mer, à des paysages magnifiques, voire carrément divins. Et quand je vais vous dire que ça vaut 18 580 francs, je crois que deux boules vont pousser sous le cou. Ah bah oui, hein, 18 000 d'un côté, 4 000 dans l'autre. Allez, on est reparti. Allez. Top chrono, il faut revenir avec les deux diamants, bien sûr. Pas sans faute, ça. Hey, retournez un sac. Retournez avec un sac. Retournez vite avec un sac. Retournez vite avec les sacs. 30 secondes. Il reste 30 secondes. Ouais. Allez. Ouais, encore. Combien de temps il reste? 20 secondes. Il reste 20 secondes. Vite 15 secondes. Vite. Il reste 10 secondes. 10. 9. Ouais. Oh là, je crois qu'il peut s'arrêter à ce 4 secondes. Bon, les amis. Ah, joli, hein. Moi, je pensais pas qu'il aurait le temps de faire deux allers-retours. Et balèze. On s'était dit, il y est allé tranquille, machin. 45 secondes à l'aller. 15 secondes par passage, ensuite. Ah, joli. Bon, Damien, 8000 francs ou le rideau? Ah, je garde. Vous les gardez? Ah, c'est clair. Vous sentez comme ça? Ah, c'est clair. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Il a fort bien joué, car il aurait pu gagner ce petit piano. Harmonica. Un petit piano. Un piano d'une valeur de 129 francs. Restez avec moi, on va débarrasser le pont et on va faire une annonce et on va lancer le big deal. Chers amis téléspectateurs, eh oui, oh là là, que d'émotion, que de joie et surtout que de suspense. Car les candidats finalistes, ils ne partent pas sans le très célèbre et désormais légendaire abonnement de... Ah non, à Télé-Loisirs. Bonjour Télé-Loisirs. Alors, ça va, t'as la patate en ce moment? T'as maigri toi? Ah, ne me cache rien, tu as maigri. Si, je le vois, c'est tout mince. Et il est encore parti. Bon, enfin, c'est pas grave, je suis habitué. En attendant, les amis terriens, vous pouvez jouer avec Télé-Loisirs et gagner un séjour à Venise d'une semaine pour 4 personnes en demi-pension. Regardez, Venise. Ben, ça, c'est une gonde. Alors, voici mon indice. Je suis un instrument à vent. Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, remarquez, c'est pas évident. Envoyez très vite votre réponse sur bulletin des loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui s'affiche juste devant moi. Voilà. Maintenant, je vais vous dire très honnêtement, j'ai hâte de voir Vincent lancer le big deal. Je me cache. Vincent, c'est à toi. J'ai pas envie de prendre le... Attention, voilà le big deal. Le big deal vous tombe dessus. Ah là là, avec en première position Pamela qui part à La Réunion, 20 120 francs. Deuxième, c'est Rémi qui part à Monaco pour 9 280 francs. Troisième, c'est Mélanie et Loïc qui ont 9 000 francs. Et enfin, dernier. Damien est dernier avec 8 000 francs. Ce big deal là, il coûte cher. Et puis Huguette. Ah ben Huguette. Elle a gagné la voiture, Huguette. Elle a gagné la voiture et elle est heureuse. Et toute sa famille est heureuse. Alors, la société Suisse Assurance lui a offert une année d'assurance auto. Voilà. Pamela, si vraiment on a pu vous donner du bonheur, on est vraiment content. Ah, vous l'avez fait. Vous le gardez. Ah, bien sûr. Hein. Merci d'avoir été avec nous, Pamela. Mettez-vous à la queue, restez avec nous. Rémi. Oui. Vous savez recevoir les gens, c'est indéniable. Merci. Et ça vous rapporte 9000 francs. Moi, je vais rejouer. Vous le rejouez, votre week-end à Monaco? Oh là 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 là. Vous repartez avec 9000 francs. Vous les auriez rejoués? Non. Non. L'affaire est bonne. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Salut à vous. Au revoir. Merci, bel homme. Merci. 8000, notre pompier les aurait gardés ou il les aurait rejoués? C'est clair, je les aurais gardés. L'affaire est bonne. Ouais. Salut à vous, Damien. Merci beaucoup. Aucun remords, aucun regret. On est parti. Gabi, s'il te plaît, ma poupoune. Gentil, Gabi. La sœur avec les fruits, le frère avec les fleurs, la mère avec l'éléphant. Vous êtes venu avec qui? Avec ma femme, mon casse-croûte et mes deux petits-enfants là-bas. Très bien. Alors, un joli sourire, votre femme. Oui. Allez, on en élimine un. Oui, Est-ce que vous en avez choisi un? Quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, tiens, si je me retrouve au Big Deal, je prends ça. Tout. Non, donc c'est du hasard. On élimine le frère. On élimine le frère. Eh bien, on a rejoué un week-end à Monaco pour espérer gagner la voiture. Non. Eh bien, la voiture, elle est soulevée. Adieu, la voiture. Je vais quand même vous dire le prix, cher Rémi. 67 290 francs viennent de vous passer sous le nez. Ah, ça met les boules. Aïe, aïe, aïe. Bon,
Faut sauver les meubles. Hein. Ouais, maintenant. Bon. La mère. La mère. Ouais. La mère. De toute façon, maintenant, hein. Bon. Ah, le petit dit la sœur. Bon, la sœur, la sœur, la sœur. On prend la première idée. Oui, la sœur, allez, on y. Ah non, la première idée, c'est la mère. C'est incroyable, ça. Il est bien chaud, hein. Mais ça plus maintenant. Bah non, mais vous non plus, hein. Ouais, non plus. Du coup, c'est gagné, quoi. Ah ben là, c'est gagné, maintenant, je suis paumé. Allez. Le premier qui sort, là. Sœur, mère, mère, sœur, sœur, mère, mère, sœur. La sœur. Sœur, allez, on prend la sœur. La sœur. Allez, et bien, on vient de rejouer 9280 francs. C'est une excellente idée, car vous avez sauvé les meubles. Ouais. Non, non, une cruche à 134 francs. Merci à tous. Ça va, la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Non, tu vas bien. Non, merci, Vincent. Non, pas c'est grave. Dommage. Tel est le jeu. Combien de vaut, celle-là? 67 000 francs, tu te rends compte? Oh, 67 000 francs, ouais. Bon, ça a cassé l'ambiance, tout ça. Ben, quel souvenir, c'est comme ça, c'est le big deal. Merci d'avoir été avec nous. Salut à tous, bonne soirée, bon appétit. Salut, mon mobile. Merci. Bon voyage à la Réunion. Vous nous envoyez un petit mot, hein. Je promets. Les boulins, les filles. Le micro, ça va pas. Il y a tous vos micros qui font pas, vos micros ils font pas, les micros. Les micros ils font pas. Non, toi il va bien. Les micros.